Bonsoir tout le monde. Donc, selon les messages que j'ai reçus, normalement, la connexion fonctionne, tout va bien. Alors déjà, bienvenue pour cette sixième conférence de la saison organisée par la Société Astronomique de Bourgogne. Alors, pour vous expliquer un peu le contexte, au départ, j'étais censé, avec une collègue, faire une conférence, enfin ce qu'on appelle une confestacle, donc un mélange entre conférence et spectacle, autour de la future conquête lunaire. Mais bon, vous comprenez bien qu'avec les circonstances actuelles, c'était quelque chose qui devait se faire, voilà, en présentiel, dans une salle, avec un public, etc. Et que faire un spectacle devant devant une caméra, ça n'a plus du tout, enfin, ça n'a plus aucun sens. Du coup, pour ce soir, on a changé les plans et du coup, je vais vous parler astronomie et climat. Alors, je me présente rapidement. Donc, je suis Quentin Pillot. Je suis membre de la SAB depuis 6 ans environ, il me semble. Bon, alors, je pense que pas beaucoup de Sabiens me connaissent parce que malheureusement, je ne vis pas à Dijon. Du coup, je ne suis pas souvent là. Alors de base, j'ai une formation d'ingénieur. Je suis un ingénieur généraliste spécialisé en informatique électronique. Et après, j'ai décidé de me réorienter dans les géosciences et en particulier en climatologie. Du coup, j'ai fait un master de climatologie à l'Université de Lyon. Et là, je viens de décrocher une bourse de doctorat pour faire une thèse en paléoclimatologie. Dans un laboratoire de géosciences à Aix-en-Provence que j'ai commencé du coup en novembre 2020. Du coup, pour ce soir, j'ai eu l'idée un peu de mélanger ma passion pour l'astronomie et bon, on va dire plus ma profession, donc plus autour du climat, pour vous faire une conférence. Alors, ça sera une conférence un peu particulière. Il y aura pas que d'astronomie. Voilà, ça sera astronomie et climatologie, mais j'espère que ça va quand même vous plaire. Voilà, normalement, si j'ai rien oublié, je pense qu'on peut y aller. Je vais désactiver la caméra en haut parce que bon, je pense que vous avez mieux à voir que ma tronche. Voilà, c'est bon. Et on peut commencer. Alors, astronomie et climat. Alors, j'ai décidé de diviser cette conférence en plusieurs parties. La première partie va être. Voilà, la première partie va être sur l'interaction entre la Terre et le Soleil. Bon, déjà, on sait que de façon globale, il y a deux principales interactions entre la Terre et le Soleil. Une interaction gravitationnelle, bon, la Terre tourne autour du Soleil, et une interaction en termes de rayonnement. Le Soleil, par son rayonnement, va venir chauffer et éclairer la Terre. Mais évidemment, c'est pas si simple, sinon il n'y aurait pas de conférence. Du coup, voilà, je vais vous expliquer un peu toutes les complexités qu'il peut y avoir autour de ça. Mais pour être sûr qu'on part sur des bases solides, je vais déjà vous rappeler quelques béabas, quelques principes. L'insolation terrestre. En fait, vous savez que si on se situe sur la face qui est éclairée, de la Terre, on reçoit de l'énergie qui nous provient directement depuis le Soleil. Et en fonction de là où on va se situer en termes de latitude, donc là en hauteur comme ça, on va plus ou moins recevoir ce rayonnement. Par exemple, si vous vous situez au niveau de l'équateur, vous allez recevoir beaucoup de rayonnement, disons, sur une surface réduite. Or, si vous vous trouvez au niveau des pôles, vous allez recevoir du rayonnement, mais sur une surface plus grande. Donc, du coup, il va être moins intense. Voilà, ça, c'est une première subtilité à bien prendre en compte, même si voilà, on a l'habitude de savoir que c'est au niveau de l'équateur qu'on a les zones tropicales, les déserts, enfin là où il fait chaud, et au niveau des pôles qu'on a les calottes polaires, les banquises, les océans glaciaux, etc. Alors maintenant, on va rajouter un petit élément à ça que vous connaissez aussi, ce sont les saisons. La Terre, elle tourne sur elle-même en 24 heures, mais elle fait aussi un tour autour du Soleil en 365,25 jours, et son axe de rotation est incliné
par rapport à l'axe en pointillé qui est ici, qui est perpendiculaire au plan de l'orbite, donc le cercle jaune. Et du fait de cette inclinaison, on va avoir ce qu'on appelle, enfin ce que vous connaissez tous, des saisons à la surface de la Terre. Donc par exemple, là, si vous vous situez dans cette configuration-là, ça veut dire que vous avez très peu de rayonnement solaire qui va arriver sur l'hémisphère nord. Donc du coup, ça va être l'hiver dans l'hémisphère nord et l'été dans l'hémisphère sud. Et une demi-année plus tard, vous allez avoir la configuration inverse. Donc beaucoup de rayonnement dans l'hémisphère nord, du coup, ça va être l'été dans l'hémisphère nord et du coup l'hiver dans l'hémisphère sud. Alors, ensuite, donc là, je vous ai mis des animations, donc ça fait un peu mal aux yeux, du coup, je vais, voilà, les arrêter. Alors, en fait, ce sont des animations qui vous montrent à gauche, donc vous avez des cartes du monde. À gauche, c'est la puissance reçue depuis le Soleil, en watts par mètre carré. Et à droite, c'est la température du sol en degrés Celsius. Vous n'êtes pas obligé, même ça, c'est valable pour toute la conférence. Quand je vais vous montrer des graphiques ou des cartes, vous n'êtes pas obligé de vous attarder sur les valeurs, les échelles, etc. Ce qui est surtout important de comprendre, c'est vraiment l'aspect général des choses, ce qui bouge, etc. Enfin, vous allez le voir au fur et à mesure, mais ne vous attardez pas trop sur les chiffres, les unités, etc. C'est vraiment pas le plus important. Donc là, on voit par exemple que du coup, c'est les zones violettes et bleues, c'est là où on va recevoir peu d'énergie solaire. Et donc, si on compare avec les températures, on a aussi en violet et en bleu les températures les plus fraîches. Du coup, là, on peut présumer que c'est l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud. Et si je lance l'animation, voilà, on a cet effet de bascule. Donc là, si on prend par exemple en France, là, ça va faire hiver, été, hiver, été, hiver, été. Et vous avez pareil pour les températures au niveau du sol. En fait, là, ce que je veux surtout vous montrer, c'est les liens qu'il y a entre énergie reçue depuis le soleil à gauche et température de surface à droite, qui sont très bien corrélés. Vous voyez, ça fait à peu près la même chose, sauf qu'il y a des perturbations dues aux atmosphères, enfin à l'atmosphère, aux océans, etc., sur la carte de droite. Donc là, c'est le monde dans lequel enfin, vous connaissez, ce sont les paramètres habituels, on va dire, dans lesquels on a l'habitude d'évoluer. Voilà, on a des saisons, les cycles jour-nuit, et c'est bon. Mais en fait, si on regarde à des échelles beaucoup plus longues, on a des autres paramètres qui vont venir s'ajouter à cela. Un des premiers paramètres que j'ai envie de vous parler, c'est l'excentricité. Donc vous savez que la Terre tourne autour du Soleil, comme on l'a vu précédemment, mais l'orbite qu'elle dessine autour du Soleil varie elle aussi sur un cycle de 100 000 ans. Alors là, je vous ai mis une petite animation, mais en fait, elle est assez trompeuse. Il faut se méfier parce qu'en fait, la Terre, enfin, vous voyez là, la Terre, pendant qu'elle fait deux tours autour du Soleil, l'excentricité varie elle aussi, donc du coup de sa position la plus basse à la plus large. Or ça c'est pas vrai parce que c'est des cycles de 100 000 ans. Du coup il faudrait vous imaginer que là le trait bleu il varie beaucoup 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 plus lentement par rapport à la rotation de la Terre. Voilà, bon, j'ai voulu mettre des petites animations pour vous expliquer, mais voilà, faut quand même faire attention parce que c'est trompeur. En même temps, si on veut aussi vous montrer les choses, voilà, il faut bien passer par ce genre d'approximation. Et alors, quelque chose qui va être très important, c'est par exemple, si on est dans cette configuration-là, donc c'est-à-dire avec une ellipse très très aplatie, eh ben la Terre à cet endroit-là, par exemple dans l'hémisphère nord, si c'est l'hiver dans l'hémisphère nord à ce moment-là, du coup les hivers vont être très froids et les étés dans l'hémisphère sud très doux. À l'inverse, 50 000 ans plus tard, on peut dire. Là, par exemple, si c'est l'hiver dans l'hémisphère nord, du coup, les hivers vont être très doux et les étés dans l'hémisphère sud très chauds. Voilà, donc ça, c'est le premier paramètre qui va varier. Alors, je vous ai pas trop, enfin, j'ai pas trop rentré dans les détails, mais en fait, ces variations d'orbite, elles sont dues au fait que dans le système solaire, il y a d'autres planètes, il y a d'autres astres, et donc, du coup, ça induit des lois mécaniques, enfin, un peu complexes, qui fait que c'est.
C'est plus compliqué que juste une sphère qui tourne autour de l'autre. Voilà, il y a des interactions avec, par exemple, Jupiter, qui est une planète très massive dans le système solaire, avec la Lune, et donc du coup qui vont induire tous ces changements de mécanique céleste. Un autre paramètre qui va varier, c'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Donc sur un cycle, donc la précession des équinoxes climatiques, c'est un cycle de 21 000 ans. Alors là, encore une fois, sur l'animation, pour que ça soit plus facile à voir, ils n'ont pas mis la rotation de la Terre sur elle-même en 24 heures. Là, le cercle bleu est dessiné en 21 000 ans. Donc faut pas oublier qu'en plus, la Terre, elle tourne autour, enfin sur elle-même, autour de l'axe de l'axe noir qu'on voit sortir là. En fait, on peut comparer ça à une toupie qui tourne. Vous voyez, là, vous voyez la toupie ici. Donc on voit qu'elle tourne très vite, on n'arrive pas même à voir à quelle vitesse elle tourne tellement elle va vite. Et en plus, elle dessine des cercles comme ça, beaucoup plus lents. Et vous voyez, voilà, il y a ces deux mouvements qui viennent par-dessus l'autre. Et donc ça s'appelle la précession des équinoxes. Donc je pense qu'il y a pas mal d'astronomes qui m'écoutent. Eux, du coup, ils doivent aussi connaître ça par le biais du fait que quand ils regardent la Voie lactée, l'une des premières choses qu'ils font pour se repérer, c'est qu'ils repèrent l'étoile polaire, qui indique du coup qui est au bout de cet axe ici, donc qui est du coup censé indiquer le nord. Mais il faut savoir que du coup, dans environ 12 000 ans, ça sera Vega qui sera au bout de cet axe et donc du coup qui va pointer le nord. Donc pour les astronomes qui font de l'astronomie dans 11 000 ans, il faudra qu'ils regardent Vega pour regarder plein d'or. Et enfin, un dernier paramètre qui va évoluer, c'est ce qu'on appelle l'inclinaison. Car cet axe, justement, autour de laquelle la Terre tourne, il varie en fonction de l'axe en pointillé là, qui est lui perpendiculaire au plan de l'orbite. Donc c'est parce que la Terre est inclinée comme ça qu'il y a des saisons. Et cet axe, il oscille comme ça, avec un cycle de 41 000 ans. Et donc du coup, quand cet axe est penché comme ça, quand l'angle est très important, les saisons du coup vont être plus marquées parce que la Terre va montrer un hémisphère de façon plus importante au Soleil par rapport à l'autre. Alors que quand l'angle est moins grand, les saisons vont être moins marquées. En fait, il y a toujours un lien avec les saisons, hein. C'est vraiment ça c'est ça aussi qui est important à retenir. Et donc après, si on place ces trois paramètres sur un graphique, donc là vous avez le temps maintenant et les temps passés avant. En fait, c'est comme une frise chronologique. Le temps, c'est en milliers d'années. Donc là, c'est 200 000 ans, 400 000 ans, 600 000 ans, 800 000 ans et 1 million d'années. Là, vous pouvez voir les variations dans la précession des équinoxes, les variations dans l'inclinaison, et là, en bleu, les variations dans le changement d'excentricité. Et si vous compilez ces trois courbes, ces trois signaux, vous pouvez obtenir, avec des calculs un peu compliqués, vous pouvez obtenir la courbe qui donne en fait l'insolation pour un point donné sur la Terre. Par exemple, si vous mettez à Dijon, eh ben vous aurez à peu près une 16 coupe comme ça qui va vous donner l'insolation qui va varier sur des millions d'années. Du coup, là, c'est la variation sur des millions d'années. Donc ça, c'est vraiment pas perceptible pour nous, êtres humains, avec une espérance de vie qui est la nôtre. En plus, alors voilà, sur ce graphique, on pourrait aussi avoir du coup un changement dans l'insolation qui est dû au cycle saisonnier et au cycle journalier, au cycle jour-nuit. Mais bien sûr, ils sont beaucoup trop petits pour qu'on les voit sur ce graphe. Donc là, c'est que les paramètres qui varient sur le long terme qui sont affichés. Alors, l'une des premières personnes à avoir compilé, on va dire, ces trois effets ensemble, c'est Milutin Milanković, donc qui est un ingénieur, astronome, géophysicien et climatologue serbe, rien que ça. Et donc, qui a, dans, au début du XXe siècle, qui a, on va dire, ouais, voilà, qui a compilé ces trois effets,
Ils avaient déjà été découverts par d'autres personnes avant, mais disons que c'est lui qui les a pris les trois ensemble et qui a émis l'hypothèse que ça avait un impact sur le climat. Alors, ceci étant dit, maintenant, une fois que la théorie est élaborée, il faut la prouver. Parce que voilà, c'est une théorie, ça reste une théorie, c'est des formules mathématiques. Il faut voir si, en effet, le climat change sur des cycles de plusieurs centaines de mille années, etc. Donc là, il y a deux solutions. Soit on attend 100 000 ans et on regarde l'évolution des climats. Ou alors, une solution quand même plus simple, on va dire, c'est de regarder dans les climats passés. Et donc là, de prendre des témoins, donc des témoins de ces climats passés, et de les étudier pour reconstruire les climats passés. Alors là, j'ai besoin de faire un petit prérequis avec vous sur ce qu'on appelle les sédiments marins. Alors, il y aura plusieurs petits prérequis dans cette conférence parce que vu que c'est des notions, enfin, il y a des notions de climatologie importantes à savoir. C'est pas du tout compliqué, mais voilà, à chaque fois, il y aura plusieurs petites notions à introduire pour que vous compreniez bien toute la sémantique et tout le phénomène dans sa globalité. Donc là, par exemple, vous avez donc dans l'océan, en au large, en plein eau, vous avez près de la surface du plancton, qui est symbolisé par tous les petits points verts que vous voyez. Ce plancton, il est microscopique et il va, au bout de, enfin, une fois qu'il est mort, il va couler au fond de l'eau comme ça. Et ensuite, il va se déposer sur les fonds marins, comme tous les autres animaux d'ailleurs, qui vont aussi se déposer sur les fonds marins, ce qui va donc du coup ça faire des sédiments. Et au fur et à mesure des années, couche par couche, ces petits organismes, donc ces cadavres de petits organismes, vont s'empiler comme ça et vont constituer en fait le sol, le plancher de l'océan, à certains endroits. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas la totalité, enfin je veux dire, comme un dinosaure qui meurt et auquel on retrouve ses fossiles, là on retrouve aussi que les fossiles des animaux. Quand je dis, quand je dis les cadavres, évidemment tout ce qui est tissu organique, etc., on ne les retrouve pas. On retrouve que la partie inorganique, c'est-à-dire tout ce qui est fossile et fossile. Alors, comment on récupère ces sédiments marins? En fait, on va faire des forages au large. Il y a des missions scientifiques qui sont organisées. Donc, par exemple, il y a un bateau là qui est chargé de ces missions. Et ils vont en pleine eau, même si c'est à 3 mètres de profondeur, envoyer des tubes comme ça pour aller récupérer les sédiments marins. Et donc, du coup, bon, là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle. Alors, on fait avec ce qu'on appelle une carotte. Donc, une carotte, c'est un gros cylindre en fait de sédiments qu'on peut voir ici, donc coupé à moitié, coupé sur la tranche. Et qui en fait, ça ressemble à une sorte de boue de vase. Mais une fois qu'on passe ça au tamis, au microscope, qu'on la nettoie et tout, on peut récupérer donc là tous ces petits organismes. Et donc en fait, tous ces organismes, ils sont morts il y a des millions d'années ou des centaines de millions d'années, ça dépend où est-ce que vous regardez. Et plus vous allez dans les sédiments profonds, du coup, plus ce sont des sédiments qui se sont déposés il y a longtemps. Et donc du coup, plus vous remontez dans le temps. Alors là, par exemple, vous pouvez voir donc là un type de plancton qu'on peut avoir sont les radiolaires, donc du coup qui sont des témoins des paléocéans. Alors ils sont vraiment minuscules. Hein. Quand je dis minuscules, c'est entre 50 et 300 micromètres. Donc les micromètres, c'est un millième de millimètre. Vraiment, ce sont vraiment des choses très petites. Il faut à l'œil nu, c'est invisible. Il faut des microscopes assez puissants pour les observer. Et en fait, ce qui est très pratique, c'est que ces petites bébêtes, quand elles flottaient dans l'océan, elles ont construit leur squelette avec des éléments qui étaient dans l'eau à ce moment-là. Et donc, du coup, elles ont enregistré les paramètres de l'océan dans leur squelette. Quand je dis les paramètres, ça peut être la température, la salinité, il y en a d'autres. Et voilà. Et même on peut réussir avec ces paramètres à retrouver la quantité de glace qu'il y avait sur la Terre au moment où ces petites bébêtes elles vivaient. Et ça c'est très pratique parce que du coup maintenant on peut comparer la courbe de l'insolation. Vous savez que je vous ai montré tout à l'heure, c'était celle qui était compilée. Voilà, c'était la jaune ici qui était compilée. Donc là je l'ai remis ici en rouge avec le volume de glace global sur la Terre en bleu.
Alors, déjà, un premier signe qui est quand même assez, on va dire, assez. Oui, quelque chose qui est une réussite pour Milan Kovic, même si, du coup, il ne le sait pas, parce que ses découvertes ont été faites bien après sa mort, c'est qu'il y a bien des cycles de 23 000, 42 000 et 100 000 ans dans la courbe bleue que vous voyez. Donc, ça, c'est fait avec des formules mathématiques un peu compliquées, mais on arrive à retrouver ces cycles ici. C'est pas du tout visible à l'œil nu, ça, je vous le concède. Mais par contre, on aurait bien aimé quand même que la courbe bleue, enfin que la courbe rouge, là, elle ait un peu la même tête que la courbe bleue, voilà, qu'elle lui ressemble un peu pour voir qu'il y a bien une corrélation directe entre insolation, enfin entre les cycles de Milan Kovic simplement, et les volumes de glace globaux, enfin les volumes globaux, du coup, qui correspondent à au climat qu'il faisait sur la Terre à ce moment-là. Donc du coup, pour ça, il faut que encore j'introduise une notion qui n'est pas compliquée, mais c'est la notion de calotte glaciaire. Donc actuellement sur Terre, il y en a deux. On a une sur le Groenland et une sur le continent Antarctique. Et en fait, alors, pour former une calotte glaciaire, il faut tout simplement qu'il y ait des nuages qui prennent par évaporation leur eau dans l'océan, qui arrivent au-dessus de la calotte glaciaire, enfin du continent même, et qui, justement, juste avec de la neige, donc c'est la partie des précipitations, cette neige va s'accumuler d'année en année et former de la glace. En fait, il faut que pendant la neige se forme pendant l'hiver, mais il faut que pendant l'été, l'été soit pas trop fort pour accumuler cette glace, et donc du coup qui constitue couche après couche, et pendant des milliers d'années, une calotte glaciaire. Donc là, j'ai mis une image de la calotte glaciaire antarctique où on voit bien le glacier qui arrive jusqu'à l'océan, comme ici. Et du coup, alors si je reviens juste à cette courbe-là, en sachant maintenant cette notion de glacier, etc., on va essayer d'introduire des mécanismes climatiques qui vont nous permettre de passer de cette courbe des paramètres de Milankovitch à cette courbe de volume de glace globale. Et du coup, je suis obligé de vous introduire ce qu'on appelle les rétroactions climatiques. Donc déjà, avant ça, on va faire un bref rappel sur ce que c'est que l'albédo. L'albédo, c'est le pouvoir réfléchissant d'une surface, disons. Je sais pas, on a tous fait l'expérience. Par exemple, si on met un t-shirt noir en été en plein soleil ou un t-shirt blanc, on va pas ressentir la même température. Sur un t-shirt noir, on va avoir beaucoup plus chaud que sur un t-shirt blanc. Ben ça, c'est dû à l'albédo de notre t-shirt. Ça marche exactement pareil pour la glace. La glace, elle a un albédo élevé parce que le sol est très clair. Du coup, elle va absorber peu de rayonnement, donc elle va pas beaucoup chauffer. Alors que si on a un sol plus sombre, donc par exemple un océan, de la terre, de la végétation, n'importe quoi, on va plus emmagasiner de chaleur. De chaleur, oui, donc du coup, ça va plus chauffer. Alors, mettons. Là, on est dans une configuration des paramètres de Milankovitch un peu particulière, et on a des hivers longs et froids. Par exemple, quand l'excentricité est très élargie ou quelque chose comme ça. Là, on va donc former un refroidissement global. Donc, on va avoir un refroidissement sur toute la Terre. Cette formation, enfin, du coup, ce refroidissement va introduire une formation de glace plus importante, évidemment. Donc, on va avoir plus de glace. Quand il fait froid, il y a plus de glace, globalement. Ensuite, cette formation, du coup, on a plus de glace, donc du coup, l'étendue de glace est plus importante, la surface est plus importante. Du coup, ça va réfléchir plus de rayonnement, donc parce que l'albédo est plus élevé, enfin, est plus élevé, on a plus de surface avec un albédo élevé, et donc du coup, la Terre va moins chauffer. Du coup, on a un refroidissement global, plus de glace, voilà, plus de rayonnement réfléchi, ainsi de suite, et là, on a une boucle de rétroaction, c'est-à-dire que le système s'auto-alimente tout seul. Au début, on a juste eu besoin d'un petit starter, voilà, les signes de Milankovitch ont servi comme, enfin, juste d'un déclenchement, et ensuite, la boucle s'auto-alimente tout seul. Et il y a une autre boucle de rétroaction très importante, c'est la boucle du CO2. Alors, par exemple, mettons que dans une autre configuration, les étés sont longs et chauds. Donc une autre configuration des paramètres du Milankovitch. Du coup, la température augmente à la surface de la Terre, les océans se réchauffent. Par un mécanisme un peu compliqué que je n'ai pas expliqué ici, les océans du coup libèrent plus de CO2. Du coup, on a une amplification de l'effet de serre parce que le CO2 est un gaz à effet de serre.
Pour rappel, l'effet de serre, c'est quand le rayonnement solaire est emprisonné dans l'atmosphère par des gaz type celui du CO2. Donc du coup, la température augmente, donc les océans se réchauffent, libèrent du CO2, etc., etc. Et encore une fois, juste avec enfin, une configuration des cycles de Milankovitch, on peut enclencher une boucle de rétroaction. À savoir que ces boucles, là j'ai mis les flèches dans un sens, mais ça peut aussi marcher dans l'autre sens. Et quand on introduit ces paramètres, donc là j'ai remis encore une courbe différente, mais encore une fois c'est juste l'allure qui nous intéresse. Là il y a l'insolation, et là c'est l'insolation, mais on a rajouté dans les calculs les rétroactions climatiques. Et là on voit que ça colle bien avec, enfin ça colle bien, ça colle beaucoup mieux en tout cas avec les volumes de glace. Alors maintenant, une fois qu'on sait un peu tous ces mécanismes, comment on va chercher l'information, comment on récupère les sédiments et comment avec eux on peut prouver la théorie astronomique des climats, on va faire un petit voyage du coup dans les climats qui ont été affectés par ces cycles de Milankovitch. On va faire donc de la paléoclimatologie, donc paléo, donc climat ancien. Alors juste, on va faire un bref rappel chronologique. Alors pour rappel, la Terre a environ 4,5 milliards d'années. Et si vous admettez, enfin si vous faites l'expérience de vous dire que la Terre a 24 heures, par exemple, donc ça veut dire que 24 heures correspond à 4,5 milliards d'années. Pour vous donner une idée, les dinosaures ont disparu, donc il y a 65 millions d'années, c'est-à-dire à 23h45. Et nous, la partie qui va nous intéresser, c'est le quaternaire, qui correspond seulement aux 16 dernières secondes de la journée. Donc en gros, sur 24 heures de climat, on peut dire, nous, on va s'intéresser juste à 16 secondes. Si on dit que l'histoire de la Terre, c'est juste 24 heures. Ça, c'est juste pour que vous vous rendiez plus compte que si je disais juste le quaternaire, c'est 2,5 millions d'années. Voilà, peut-être que ça, voilà, vous vous rendez pas trop compte par rapport à l'échelle de la Terre. Là, comme ça, on se rend plus compte. Et donc du coup, voilà, alors pourquoi on va s'intéresser au quaternaire? Parce que plus on remonte dans le temps, plus c'est difficile d'avoir des données paléoclimatiques pour reconstruire les climats. Et donc du coup, plus c'est incertain. Donc il est très probable que les cycles de Milankovitch aient eu un impact sur les climats encore plus anciens. Mais voilà, on a très peu de données. Et là où c'est le plus clair dans les enregistrements du climat, et dans les sols, dans les sédiments, etc. C'est pour le quaternaire, du coup, c'est la partie enfin, de laquelle on va parler maintenant. Alors, là, je vous ai mis une photo de quelque chose qui peut vous sembler un peu bizarre. C'est un bloc erratique. Alors, pourquoi j'ai mis cette photo de bloc? Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est qu'elle est située dans la ville de Lyon. Donc dans le quartier de la Croix-Rousse. Et ce bloc, il n'y a ni falaise autour de ce bloc, ni montagne. Enfin, je veux dire, ce bloc est posé au milieu quasiment sur une colline. Ce n'est pas une météorite. Et pendant des années, on s'est demandé comment ce bloc est apparu là, parce qu'on sait que ce n'est pas les êtres humains qui l'ont apporté. Voilà, c'est un bloc qui fait je ne sais pas combien de tonnes. Et voilà, donc du coup, on s'est demandé. Voilà, comment ce bloc est apparu. Et en fait, vers 1815, il y a un montagnard et paysan alpin du nom de Jean-Pierre Peyraudin, malheureusement je n'ai pas de photo, qui a émis pour la première fois l'hypothèse que ce bloc venait d'un glacier, que c'est un glacier qui a porté ce bloc jusqu'ici, et que du coup il devait y avoir, il y a longtemps, un glacier au-dessus de Lyon. Je précise que c'est un montagnard parce que voilà, c'était pas du tout un scientifique, donc bon, comme quoi il n'y a pas que les scientifiques qui peuvent faire des découvertes, en l'occurrence. Voilà, c'est un paysan qui a fait cette découverte-là, et ensuite la communauté scientifique a été séduite par son idée, et donc du coup ça a été travaillé par la suite. Donc une autre preuve de glaciation passée qu'on peut avoir, c'est par exemple les stries glaciaires. Si vous vous baladez dans les Alpes, pourquoi pas, vous pouvez trouver ces énormes plaques rocheuses qui sont lisses à grande échelle, comme si elles avaient été polies, lissées, compactées par un poids énorme. Et
Quand vous vous approchez, vous voyez plein de stries, comme si cette roche avait été rayée. Encore une fois, par quelque chose de très lourd. Et donc, du coup, tout ça a permis de nous dire qu'il y avait bien un glacier, il y a longtemps, au-dessus de cette zone en l'occurrence, ou un glacier qui a apporté cette roche jusqu'à Lyon. Alors juste, encore une fois, juste un petit prérequis qui n'est pas long, mais juste pour vous rappeler comment se compose un glacier. Donc là, par exemple, un glacier alpin, on a une accumulation de neige au-dessus, donc du coup qui va faire comme une masse importante, et ensuite, du coup, cette masse va faire glisser le glacier sur la roche. Et mettons, si on avait un rocher là qui tombe de cette zone ici sur la glace, et ben en avançant, le rocher va, comme sur un tapis roulant, se déplacer, même s'il fait plusieurs tonnes, jusqu'en bas de la vallée. Et donc du coup, c'est une hypothèse qui a été adoptée pour expliquer pourquoi on retrouve des roches erratiques un peu partout, même dans des zones pas du tout montagneuses où il n'y a pas de falaises, etc. C'est le fait qu'il y avait des glaciations il y a bien longtemps. Et ensuite, on a fait, enfin des glaciers il y a bien longtemps. Et ensuite, du coup, on a fait le parallèle entre cycle de Milankovitch et glaciation. Donc là, on voit, ça c'est encore une frise chronologique. Là, zéro, c'est maintenant, et là, c'est il y a 650 000 ans. Et en bleu, vous avez les périodes de glaciation. Et en jaune, les périodes interglaciaires. Alors, il ne faut pas confondre ère glaciaire et période glaciaire. Ère glaciaire, ça correspond en fait à toute la. Alors, du coup, je ne vais pas dire la période parce que ça ressemble, mais à toute la. À tout le moment, enfin, à tout le. Au moment où il y a eu toutes ces périodes glaciaires. Voilà. Et donc là, on peut voir voilà, qu'il y a eu plus. Nous, là, en ce moment, on est ici, donc on est dans un moment interglaciaire, mais il y a eu, bien avant, du coup, des périodes glaciaires, pardon, avec, si vous regardez, il y en a à peu près une tous les 100 000 ans. Voilà, la périodicité, c'est tous les 100 000 ans. Et là, alors, du coup, maintenant, on va s'intéresser seulement à la dernière période glaciaire, qui a débuté environ il y a 110 000 ans et qui a fini pardon, il y a 10 000 ans. Et alors, comme vous pouvez voir sur cette image, il y a surtout une présence d'une période glaciaire très importante sur l'hémisphère nord. Là, on pourrait voir aussi sur cette image. Alors, j'attire juste votre attention sur le fait que, évidemment, là, la photo est très belle, mais c'est une reconstitution. On n'avait pas de satellite à l'époque, hein, pour prendre des photos, malheureusement pour les paléoclimatologues. Mais du coup, voilà, ça c'est une reconstitution, on peut dire, de à quoi ressemblait la Terre pendant cette ère glaciaire. Là, vous avez une image un peu plus, disons, un peu plus scientifique, avec, on voit bien sur. Développé dans l'hémisphère nord, ces énormes glaciers qu'on appelle Elandis. Alors, on n'a quasiment pas de grosses glaciations dans l'hémisphère sud, parce qu'en fait, le continent antarctique, il est isolé par l'océan austral qui se trouve autour, et du coup, les courants marins, etc., font qu'en fait, il est confiné. Et donc du coup, qui reste, voilà, les températures, enfin, l'échange de température avec l'extérieur sont assez complexes. Du coup, quand on parle de période glaciaire, les grandes calottes glaciaires se sont développées principalement sur l'hémisphère nord. Il y en avait une sur le Groenland, celle qu'on a encore actuellement, une au nord de l'Eurasie et une en Amérique du Nord. Et alors là, ça aussi, c'est encore des reconstitutions de à quoi pouvait ressembler, par exemple, la vallée de Chambéry pendant la dernière ère glaciaire. Donc là, on voit la photo actuelle en bas et en haut, voilà, donc c'est tout le glacier qui occupe totalement la vallée. Et pareil, là, une photo de Lyon. Donc pareil, Lyon pendant la dernière période glaciaire, où il y a le glacier qui s'arrête quasiment au niveau de Lyon, et donc du coup qui a potentiellement amené, enfin c'est même pas potentiellement, c'est sûr, que ce glacier a amené les roches erratiques qu'on trouve dans Lyon depuis les massifs alpins jusqu'ici. Alors,
Un autre aspect important des aires glaciaires, qu'on ne pense pas forcément tout de suite, mais qui est aussi important au-delà du fait qu'il y a beaucoup de glace, c'est l'abaissement du niveau des océans et des mers. Car en fait, il faut bien se figurer que le stock d'eau qui est compris sur Terre, il ne change jamais. Il n'y a jamais d'échange avec l'extérieur, donc il reste toujours le même. Donc forcément, si vous formez des énormes calottes glaciaires enfin, avec des superficies gigantesques et plusieurs kilomètres d'épaisseur, forcément toute cette eau, il faut l'enlever quelque part. Et donc ce quelque part, c'est les mers et les océans. Donc là, par exemple, sur cette carte reconstituée, pardon, vous pouvez voir que on pouvait passer à pied entre la France et l'Angleterre à ce moment-là, entre la Corse et la Sardaigne par exemple, Italie, Sicile, pareil. Voilà, donc du coup, on avait un niveau des mers qui était environ 120 mètres en dessous du niveau des mers actuelles. Donc du coup, pourquoi j'ai mis une photo des calanques de Marseille derrière? Ben, en fait, dans les années, c'était en 1985, c'est Henri Cosquer qui a découvert dans les calanques une grotte qu'on appelle la grotte Cosquer, et dont l'entrée de cette grotte se situe à 37 mètres de profondeur. Et en fait, cette grotte, elle a une particularité, c'est que à l'intérieur, on a découvert des peintures de ce qu'on appelle de l'art pariétal, c'est-à-dire des peintures d'hommes préhistoriques qui sont venues il y a 27 000 ans et il y a 19 000 ans. Ça veut bien dire, alors, soit ils étaient champions d'apnée, soit l'entrée de la grotte à cette époque-là était au-dessus du niveau des mers. Donc, du coup, voilà, c'est la deuxième solution qu'il faut choisir. Et alors, comme nous montre cette reconstitution, voilà, donc ça c'est une image des calanques de Marseille pendant la dernière interglaciaire. On avait du coup une plaine devant, voilà, devant ces falaises. Et là, on peut imaginer, donc là avec le rond rouge, l'entrée de la grotte, donc dans lesquelles les hommes préhistoriques sont venus faire des peintures sur les murs. Et ces peintures nous ont permis aussi d'avoir une première idée de la faune de l'époque. Et par exemple, on retrouve dans ces peintures deux chevaux que vous voyez ici, mais aussi des bisons, et aussi des phoques et des pingouins. Ce qui veut dire qu'à cette époque, dans le sud de la France, il y avait des phoques et des pingouins. Donc, ce qui aussi donne une idée du climat qu'il pouvait y avoir sur toute la France. Et du coup, en parlant du climat, là, je vais vous présenter rapidement les biomes qu'on pouvait trouver, enfin le biome qu'on pouvait trouver en France. Donc là, on a les grands glaciers ici en blanc. Vous pouvez voir surtout un grand glacier dans les Alpes, un dans les Vosges, dans le Massif central et dans les Pyrénées. Et le climat, c'était ce qu'on appelait des steppes de toundra. Donc vous pouvez voir ici, donc principalement constitué de mousses, de lichens, d'arbustes, de sols gelés, et sur lesquels on a retrouvé, alors, enfin, des ossements, alors soit dans des grottes, dans des cavernes, ou alors directement dans les sols, de pas mal d'animaux qui aussi nous donnent des indices sur le climat qu'il y avait à l'époque, car on a pas mal d'animaux qui disposaient des mammifères pour la plupart, qui possédaient une fourrure importante, donc comme des mammouths, des rennes, des bisons, des aurochs, des phoques, des pingouins, etc., qui nous donnaient une idée donc, du climat à ce moment-là. Et alors pour continuer, maintenant je vais. Alors voilà, ça c'est juste une petite représentation. Voilà, il y a des paléoartistes qui s'amusent aussi à essayer de reconstituer, parce que bien sûr en science on a des graphiques, des cartes, mais bon, ça permet de pas trop se rendre compte. Voilà, qui font des œuvres pour essayer de reconstituer à quoi ressemblait un paysage français pendant le dernier interglaciaire. Donc là, vous voyez, on peut s'imaginer par exemple aux abords de Dijon ou de Lyon, on a bah, des mammouths, des chevaux, des bisons, etc. Et on a au fond, là, on peut voir cette grande barrière blanche. On peut imaginer, pourquoi pas, que c'est le glacier alpin qui est venu jusqu'ici. Bon, je ne connaissais pas les intentions du dessinateur quand il a créé l'œuvre, mais voilà, on peut s'imaginer des choses comme ça. Et alors, j'ai bientôt fini la conférence, mais il y a encore deux points sur lesquels je voudrais revenir. C'est les passages entre les continents, enfin le passage en l'occurrence entre les continents, car du fait de la baisse du niveau des océans
et de la décale glaciaire. Du coup, il y a des passages qui se sont créés, et en l'occurrence, un passage important qui s'appelle la Béringie, donc en gros, c'est sur le détroit de Bering, et qui permettait de passer de l'Eurasie jusqu'à l'Amérique du Nord, puis à l'Amérique du Sud. Et donc, du coup, les animaux qui s'étaient retrouvés isolés depuis 30 millions d'années, donc du fait de la tectonique des plaques, parce que, bon, évidemment, enfin, je sais pas pour faire l'histoire, mais en gros, au début, on avait les continents qui étaient rassemblés, etc. Et tout s'est disloqué et séparé, et l'Amérique du Nord et du Sud se sont séparés de l'Eurasie il y a environ 30 millions d'années. Et donc, du coup, ça a pu permettre des échanges, donc surtout des échanges d'ordre, surtout la faune, la flore aussi, mais surtout la faune. Et du coup, les animaux sont venus, enfin, il y a eu des échanges entre les deux continents. Ce qui, donc, du coup, a eu des répercussions, parce que des animaux aussi pouvaient occuper la même niche écologique. Donc, du coup, il y a eu une sorte de remaniement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des espèces qui ont disparu, d'autres qui ont énormément proliféré, et qu'on a des espèces qui sont très similaires. En Amérique et en Eurasie. Par exemple, on a retrouvé des mammouths aussi en Amérique du Nord, pareil pour les bisons, etc. Et en parlant d'animaux, on va finir par un tout spécialement. Il s'agit de l'homme, d'Homo sapiens, et qui lui aussi a profité de ce passage de la Béringie pour venir il y a entre 20 000 et 15 000 ans. On ne sait pas très précis parce que voilà, c'est toujours très difficile d'avoir des approximations, étant donné que c'était quand même il y a très longtemps, qui sont venus, donc du coup, on va dire, qui sont venus conquérir le continent nord-américain, puis sud-américain. Et donc c'est pour ça qu'il y avait des êtres humains sur le continent américain depuis au moins 20 000, 15 000 ans. Voilà, c'en est fini pour la conférence. Alors juste, je voudrais finir sur les sources qui m'ont permis d'écrire cette conférence et aussi que je peux vous conseiller si vous voulez approfondir le sujet, si le sujet vous intéresse. Donc il y a le très bon livre de Jill Rammstein, Voyage à travers les climats de la Terre, qui reprend depuis vraiment la création de la Terre, enfin je veux dire, voilà, les premiers balbutiements de la Terre jusqu'au climat actuel. Voilà, qui est très bien fait, qui est très bien détaillé. Alors, sur uniquement l'Europe, on va dire l'Eurasie, vous avez Supercontinent, qui est de Tim Flannery, qui est vraiment bien aussi, et qui est très vulgarisé. Voilà, là, les livres que je vous montre, en tout cas les deux de gauche, c'est des livres grand public. C'est des livres, enfin, si le sujet vous intéresse, vous pouvez les lire. Ce sera franchement, enfin, si vous avez un intérêt pour les sciences, etc., je pense que ça peut vous intéresser. Et enfin, un livre un peu plus, on va dire un peu plus péchu, mais pas pareil si vous êtes passionné, etc., qui peut être intéressant, c'est Climatologie et Paléoclimatologie aux éditions Dunod, et qui est pareil, qui est très bien si vous voulez comprendre le système climatique aussi, au-delà de juste d'avoir une histoire des climats passés. Et enfin, quelque chose de peut-être plus facile, enfin plus facile, plus accessible, venir dans l'immédiat, si vous voulez approfondir un peu le sujet, c'est de regarder certaines vidéos YouTube. Alors il y a la très bonne vidéo de Science Étonnante sur les cycles de Milankovitch qui est très bien faite, et la vidéo de l'Esprit Sorcier aussi, donc la nouvelle chaîne qui a un peu pris la succession de C'est pas sorcier. Et alors, je vous invite aussi à regarder ces vidéos parce que dedans, les animations sont très bien faites. Moi, je pouvais pas trop les mettre parce que sur un diaporama, c'est compliqué de mettre des vidéos aussi pour des histoires de droits d'auteur. Et puis, je ne possède pas des compétences en audiovisuel assez fortes pour que je puisse refaire des simulations, etc. Mais du coup, si vous voulez avoir vraiment les idées des rotations, des révolutions, etc., vous pouvez voir ces vidéos. La vidéo d'Esprit Sorcier dure 4 minutes, donc franchement, elle est assez courte et peut être très intéressante. Et enfin, la vidéo du youtubeur Le Réveilleur, qui est très bien faite aussi, et qui vous parle pas mal de ces rétroactions que je vous ai expliquées, donc rétroaction du cycle du CO2 et rétroaction de l'albédo, qui peut être très important. Et en final, et pour finir, il y a un site internet qui est très bien fait, c'est le site internet de l'ENS Lyon, planeteterre.enslyon.fr, et pareil, il y a pas mal de schémas, pas mal de... Pas mal de
de dessin et qui est aussi bien vulgarisé. Et si vous voulez peaufiner et approfondir le sujet, voilà, ça peut être une bonne chose. Voilà, merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, Vincent va me les envoyer par message et je vais tâcher d'y répondre en essayant d'être précis. Je peux revenir au début du slide, donc j'ai la question. Attendez. Alors, une question sur l'excentricité. Où en est l'excentricité aujourd'hui? Alors, je peux pas vous donner de chiffres exacts sur l'excentricité, enfin, je veux dire en termes de kilomètres par rapport au Soleil, à l'aphélie, etc. Bon, je pense que sur Internet, on peut trouver les chiffres. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un moment où l'excentricité n'est pas extrêmement forte. On va dire que on est plus proche, même si c'est vraiment un modèle, donc faut vraiment prendre du recul par rapport à ça. On est plus proche du cercle que de l'ellipse par rapport, je veux dire, à ce mouvement dans l'excentricité. Je vais juste rallumer ma vidéo, peut-être mieux. Voilà, vous voyez comme ça. Oula, je sais pas si ça répond à la question, mais bon, je pense que vous pouvez trouver les chiffres. Mais en tout cas, on n'est pas dans des moments où les hivers sont très froids dans l'hémisphère nord ou inversement dans l'hémisphère sud. On est dans un moment où c'est à peu près stable. Donc du coup, c'est pas l'excentricité qui va jouer prépondéramment. C'était une question de Vincent Gigaud, hein. Je précise parce qu'il faut que je lise le pseudo. Ah oui, alors, bonne question de Falaenia. Alors, 21 000 ans, c'est bien le code postal de Dijon, et oui. Mais le cycle de précession des équinoxes ne serait pas de 25 920 ans environ. Alors si, c'est une très bonne question, auquel d'ailleurs j'ai eu un peu de mal à comprendre. Au moment où j'ai étudié ça, mais en fait, il faut bien différencier la précession des équinoxes qu'on sert en astronomie par rapport à la précession des équinoxes qu'on sert en climatologie. Celui qu'on sert en astronomie par rapport à quand je vous ai dit que le nord enfin, serait pointé sur Vega dans 12 000 ans, etc., il a bien un cycle d'environ 26 000 ans, alors que celui qu'on sert en astronomie, il a un cycle de 21 000 ans. Ça, c'est en fait. Ça vient du fait que du coup l'excentricité aussi elle bouge et donc du coup qu'on a un mouvement enfin c'est vachement dur à expliquer sans animation mais en fait il faut vous dire que la Terre elle est jamais stable dans son repère en fait elle est jamais au même endroit et donc du coup en astronomie le cycle de 26 000 ans qu'on a il prend en compte plus de paramètres dû à plus de choses par rapport au cycle qu'on sert pour le climat de 21 000 ans où lui, il est plus simplifié, disons. Et donc, du coup, c'est sûr qu'on arrive à des différences dans les chiffres, en sachant que là, j'ai mis 21 000 ans, évidemment, c'est un arrondi, et que, en fait, c'est vachement dur de savoir, avec tous les paramètres qui rentrent en compte dans la mécanique céleste, d'avoir un chiffre très précis. C'est vachement dur parce qu'il y a sur des années comme ça, il faudrait le mesurer nous-mêmes et donc du coup attendre 21 000 ans pour avoir des mesures précises. Mais vu qu'on peut pas, on est obligé de soit faire des calculs, mais donc du coup les calculs auront toujours une précision qu'ils ne pourront pas atteindre, dû à la théorie du chaos par exemple, etc. Ou alors les données qui sont donc les proxys qu'on a dans les sédiments marins, etc. Eux aussi, on aura toujours une marge d'erreur qui sera telle qu'on pourra, enfin qui c'est, enfin sur le papier, on peut avoir un chiffre. Mais après, en vrai, ce qui se passe, c'est toujours beaucoup plus dur pour connaître la réalité. Il ne faut pas oublier que quand on fait du climat, etc., c'est vraiment des approximations qu'on fait. On essaie de se rapprocher le plus possible de quelque chose en sachant qu'il y aura toujours des biais, il y aura toujours des choses qui feront qu'on n'y était pas, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé.
Bon, il y a des fois, on est par exemple le fait qu'il y avait un glacier énorme, enfin, qui atteignait Lyon il y a des dizaines de milliers d'années, ça on le sait. Mais je veux dire, il y aura toujours en termes d'années et de chronologie une précision qu'on, en tout cas pour le moment, on n'a pas. Alors, autre question. Je suis désolé, il faut que je switch entre mon portable et l'ordinateur. Alors, Cyril Vion pose la question, la polarité, entre guillemets, champ magnétique, n'agirait-elle pas sur le changement des saisons? Alors, ça, c'est un peu. C'est toujours un peu compliqué. Moi, dans la façon dont j'ai créé la conférence et la façon dont moi je connais mon sujet, j'ai pas intégré les histoires de champs magnétiques, etc., parce que ce ne sont pas les phénomènes prépondérants. Et c'est possible que le champ magnétique agit, car comme je l'ai dit au début, la base de l'interaction, c'est le Soleil qui envoie des rayonnements jusqu'à la Terre. Et bien sûr, le champ magnétique, va agir sur ce rayonnement. Et donc du coup, on peut imaginer que du coup, c'est aussi des incidences sur le climat. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, moi, enfin, dans mon travail, dans les modèles, etc., on ne prend pas en compte, on n'arrive pas jusqu'à ce degré de précision pour prendre en compte les champs magnétiques. Donc, bon, je resterai assez prudent sur la question. Dans le cas contexte, enfin, dans le contexte, c'est pas ajouté à la question. Après, bien sûr, comme je disais dans l'autre question, on peut atteindre des niveaux de précision toujours supérieurs. Enfin, on peut toujours faire mieux, quoi. Mais dans les modèles climatiques, etc., c'est pas des choses qui sont prises en compte. Alors, attention plus polémique. Science de fiction, astronomie et climat, est-ce qu'Onfray a raison? Réponse de Éric Chariot. Onfray ne maîtrise pas les sujets dont il parle, que ce soit sur le climat, le virus et tout le reste. C'est une vaste fumisterie. Alors là, je suis désolé, mais si vous voulez que je réponde à la question, alors, vu que je regarde pas trop la télé, etc., et que je lis pas en tout cas les livres de Michel Onfray, alors je ne veux pas savoir de quoi il parle. Donc, science de fiction, astronomie et climat, est-ce qu'Onfray a raison? Ne sachant pas de quoi il s'agit, je ne peux pas vous dire s'il a raison ou pas. En tout cas, si Éric Chariot connaît son sujet, je pense que oui. Voilà. Il fait le lien entre climat et multi. Ah, multivers. Oula. Ouais, non, alors là, je suis. Non, je maîtrise pas du tout le sujet. Enfin, multivers, etc. Je ne sais pas du tout. Je ne peux pas vous dire. Non, là, faut demander peut-être aux plus astronomes que moi à la SAB. Mais oui, ça me semble farfelu, oui, en effet. En tout cas, dans la communauté climatique des climatologues et des paléoclimatologues, on n'a jamais parlé multivers, etc. Voilà, c'est pas du tout. Dans tous les bouquins, vous ne verrez jamais parler de ça. À la limite, si Michel Onfray en parle, ça sort de sa tête à lui et nulle part ailleurs. J'ai jamais entendu un climatologue parler de ça. Alors, de Isabelle Farcy. Il me semble que l'effet de la fonte sur l'albédo n'est pas la même pour l'Enlandsis, entre parenthèses calotte glaciaire, et la banquise. L'Enlandsis fond, son épaisseur diminue, mais pas trop sa surface. En revanche, si la banquise fond, la surface de mer libre augmente d'une manière conséquente. J'ai vu sur place. Donc l'effet est plus grand en Arctique qu'en Antarctique. Oui, alors ça c'est vrai. Moi je vous ai parlé des rétroactions en termes d'albédo. Donc, parce que ça, c'est des. Je vous montre là, tac, 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 tac. Voilà, parce que ça, ce sont des effets sur des échelles climatiques, donc longues. Parce que c'est vrai que la banquise, donc c'est la glace qui se propage
sur l'océan, elles se forment assez vite et elles se font assez vite, même à des termes, même à l'échelle des saisons. Donc là, ça va beaucoup changer l'albédo parce qu'en plus, on remplace du blanc par de l'océan qui est assez sombre, un bleu vraiment très foncé. Donc du coup, on change beaucoup l'albédo. Mais là, moi, donc du coup, en effet, elle a raison. Mais par contre, moi, je parlais plus là sur des échelles climatiques, donc beaucoup plus longues, des échelles de dizaines de milliers d'années, etc. Où le fait que les Anandis y fondent, donc ils vont perdre en épaisseur, oui c'est vrai, mais ils vont aussi forcément, au fur et à mesure des milliers d'années, perdre en surface. Donc ça va aussi induire des changements d'albédo. Là, il y a une notion aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que en climatologie, des rétroactions, etc., il suffit des fois de pas grand-chose, de vraiment pas grand-chose, pour faire basculer des systèmes. On s'appelle les tipping points, c'est-à-dire quand on veut basculer des systèmes d'un état à un autre. Et donc du coup voilà, il suffit de vraiment pas grand-chose, et il suffit voilà, comme là j'ai montré, il y a des starters, des déclenchements. Il suffit qu'il y ait un petit déclenchement, un petit truc, et ensuite tout le système va s'emballer, etc. Et ensuite donc du coup ça peut durer des milliers d'années. Il y a eu des glaciations qui sont bien bien plus avant que le Quaternaire, qui ont eu lieu des centaines de millions d'années, où la Terre entière a été recouverte d'une épaisse couche de glace. Parce que le système s'est totalement emballé et ça a duré pendant des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années, avant que la glace ne disparaisse par des autres boucles de rétroaction induisant le CO2 par exemple ou autre. Alors, encore une autre question. Éric Chariot. Il semblait y avoir plusieurs périodes dans chaque courbe sur la diapo des cycles de Milankovitch. Oui, alors. Voilà, donc là, je pense que Éric Chariot fait référence à ces oscillations. J'ai plus ma souris. Voilà. Fait référence au fait qu'il y a les périodes, par exemple, si je prends pour la précession des équinoxes entre les petites vagues, la rouge qu'on a ici, et des vagues plus grandes qu'on a ici. Et donc du coup, ça vient encore une fois de la... Du coup, je vous ai dit par exemple que les cycles étaient de 21 000 ans pour la précession des équinoxes. C'est vraiment une approximation, car en fait, voilà, et on peut avoir plusieurs périodes. Moi, j'ai dit ça pour simplifier un peu la conférence, mais on en fait plusieurs périodes de la précession des équinoxes. Par exemple, voilà, je ne sais pas si j'aurai le temps de retrouver dans mon bouquin, mais on doit avoir ouais, des précessions. Voilà, ça peut varier entre 19 000 et 23 000 ans. Vous voyez, donc voilà, il y a plusieurs périodes. C'est vachement compliqué ces histoires de mécanique céleste, car à partir du moment, de toute façon, on met plus de trois corps dans le système, donc déjà Terre, Soleil, Lune, les modèles et les équations, ça c'est vraiment très complexe. Et donc du coup, il y a pareil, des phénomènes chaotiques qui peuvent s'ajouter à ça. Donc, du coup, c'est toujours difficile de faire du traitement du signal, d'analyser les signaux qui sortent de ces calculs mathématiques. Mais en effet, il y a plusieurs périodes. Alors, une très bonne question de Stéphane Thierry. Les causes des variations climatiques observées sur Terre ont-elles des comparaisons valables sur d'autres planètes, comme Mars ou Vénus? Et en d'autres termes, retrouve-t-on des phénomènes climatiques terrestres sur ces autres planètes? Alors, si on parle des phénomènes, parce qu'en fait, au début de la question, Stéphane Thierry dit les causes des variations climatiques observées sur Terre. Donc, par exemple, si il fait référence au cycle de Milankovitch, alors je vais répondre que oui, on a vu que de la même sorte, enfin de la même façon qu'on a des cycles plus longs que juste les simples saisons et les cycles jour-nuit, etc. Oui, on a d'autres cycles. Donc, par exemple, sur Mars, enfin pour Mars, je sais qu'il y en a, je ne peux pas vous les décrire
en détail. Alors je sais que par exemple la précession des équinoxes, qui est due principalement à l'attraction de la Lune, vu que Mars n'a que deux petits satellites, donc Phobos et Deimos, donc du coup voilà, ça change déjà du coup toute la mécanique, et du coup les équinoxes sont beaucoup beaucoup moins marqués. Et pour le reste, excentricité, etc., ça va aussi dépendre parce que du coup, Mars est plus proche de Jupiter, du coup, elle doit plus dépendre de son attraction. Donc, du coup, ça change aussi beaucoup de choses. Alors, après, évidemment, ça ne met pas des îles glaciaires, interglaciaires, avec une variation de 100 000 ans. Enfin, je veux dire, tout système est bousculé et la comparaison avec la Terre s'arrête là. Je veux dire, on a, après, les impacts que ça a sur Mars, c'est bien sûr, ils sont totalement différents et je ne les connais pas. Et après aussi, vu qu'il parlait des phénomènes climatiques, bien sûr, tout ce qui est phénomène d'albédo, tout ce qui est phénomène de cycle, pardon, de CO2, de l'effet de serre, etc., ça, c'est valable sur toutes les planètes. Donc Vénus a un effet de serre, enfin, je veux dire, voilà, ça, les lois de la climatologie sont transposables, enfin les lois physiques de la climatologie sont transposables à toutes les planètes, on peut faire les calculs qu'on veut. Alors après, est-ce qu'on va avoir des réponses satisfaisantes, je sais pas, mais en tout cas les lois de la physique qu'on applique pour la climatologie peuvent être transposées à d'autres planètes. Alors Claude-René Broutard demande, les rétroactions ressemblent à des cercles vicieux, comment s'arrêtent-elles? Alors, c'est vrai que c'est totalement des cercles vicieux en fait. On peut comparer ça vraiment à des cercles vicieux. Voilà, c'est le système qui s'emballe, c'est un emballement. Et en fait, pour qu'il s'arrête, il faut qu'il y ait un autre. En fait, une fois qu'on va avoir, par exemple, là, ce déclenchement par un site dominant de Kovitch, que le système va s'emballer, on va avoir un moment où le système va se stabiliser. Pour plein de raisons, pour plein de phénomènes. Par exemple, si on parle de la taille de la côte glaciaire, au bout d'un moment, elle va plus ou moins s'arrêter, elle va se stopper, elle va s'arrêter. Et après, il suffit que, comme je l'ai montré avant, il y ait une autre rétroaction, un autre déclenchement, et là, tout le système va basculer dans le sens inverse. C'est pour ça que les glaciations et les déglaciations, enfin, je veux dire, les phénomènes de rentrée en glaciation, les phénomènes de retour en période normale, disons, il se fait assez vite à l'échelle du climat terrestre, je parle, par rapport au temps des périodes glaciaires. Par contre, voilà, on a bien ces phénomènes de cercle vicieux, comme indiqué, et donc du coup, des rétroactions peuvent, on va dire, une rétroaction peut en arrêter une autre. Mais encore une fois, là, voilà, là, je vous ai en 40 minutes expliqué le système climatique. Bon, il y a des boucles de rétroaction, je crois il en existe des dizaines, enfin, vingtaines, trentaines, je sais pas, mais il y en existe beaucoup, 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 beaucoup. Là, je vous ai parlé de deux qui sont importantes. Mais donc voilà, c'est vraiment très, 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 très complexe. Et les paléoclimatologues étudient en ce moment même, justement, comment des fois on peut partir en glaciation de façon très soudaine et s'arrêter d'une façon aussi soudaine. Question de Vincent Boudon. Pour les périodes très anciennes, on parle d'épisodes Snowball Earth, avec une Terre entièrement recouverte de glace. Est-ce juste une hypothèse ou bien a-t-on des éléments de preuve solides? Alors là, il y a deux choses. Il y a quand même des preuves assez solides qui, comme les stries ici glaciaires qu'on a dans les Alpes, on en trouve à d'autres endroits où on sait, alors je ne peux pas vous dire exactement les endroits, mais où on sait que c'est pas possible que ça date de l'ère glaciaire récente. Donc ça date de bien plus avant. En fait, les épisodes de Snowball Earth, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est quand la Terre était entièrement recouverte de glace. C'était vraiment il y a très très longtemps. Et donc du coup, quand cette Terre était entièrement recouverte de glace, on avait donc ces glaciers qui écrasaient la roche et donc du coup faisaient des stries comme celle-là. En plus de ça, on a eu aussi quelques extinctions d'extinction biologique, donc de la faune et de la flore. Donc, du coup, on a vu qu'à un moment, il y avait dans les fossiles, etc., on avait une grande baisse de la vie, car évidemment, quand on a une calotte de glace sur toute la Terre, et ben, la vie, elle en prend un coup. Donc du coup, il y a ça. Et il y a aussi maintenant ce qui arrive beaucoup depuis 20 ans, c'est les modèles.
Donc les modèles climatiques, les modèles qui servent à prédire le climat futur, on peut s'en servir aussi, c'est ce que je fais pendant ma thèse, pour prédire les climats anciens, enfin pour prédire, pour simuler les climats anciens. Et il y en a qui ont utilisé ces modèles pour simuler les climats très très anciens et qui ont réussi à, en jouant sur quelques paramètres, donc des paramètres qui sont plausibles, à faire englacer totalement la Terre, donc du coup ce qui fait des éléments en faveur des épisodes de donc, Terre boule de neige, Snowball Earth en anglais. Alors, on va passer à quelques questions sur le climat actuel. Aurélien Protoy, excusez-moi pour la prononciation. Bonsoir, est-il possible que l'homme, par ses activités émettrices de CO2, modifie l'évolution du climat? Ben en fait, c'est le cas, totalement. Là, il n'y a plus trop de débat là-dessus. Il y a encore un peu de. Enfin, je veux dire, au sein de la communauté des climatologues et des paléoclimatologues, enfin, il n'y a plus aucun doute sur le fait que l'ajout de CO2 dans l'atmosphère dû aux activités anthropiques réchauffe le climat terrestre et donc du coup qu'il y a un réchauffement climatique actuel à cause des activités humaines. Excusez-moi, je vais boire un peu parce que j'ai la gorge qui râpe. J'ai eu du mal de comprendre la question parce que je pensais que vous parliez de est-ce que l'activité humaine peut avoir des conséquences sur les cycles glaciaires et interglaciaires. Alors si c'est la question, je vais vous répondre que dans l'état, si l'homme, enfin si on continue à émettre les taux de rejet de gaz à effet de serre qu'on fait actuellement, c'est possible de vraiment beaucoup retarder la prochaine période glaciaire qui arrive, et même pourquoi pas l'annuler totalement. Ça, c'est pas. Enfin, je veux dire, si on continue dans la tendance actuelle, c'est vraiment plausible. Alors, une question de Richard Millière. Reste-t-il des climato-sceptiques parmi les scientifiques réchauffement dû aux activités humaines depuis le 21e siècle, depuis, pardon, le 19e siècle? Ce réchauffement peut-il perturber l'arrivée de la prochaine ère glaciaire? Moi, du coup, voilà, j'ai un peu répondu à la question. Et alors, moi, faisant partie de la communauté assez récemment des climatologues, paléoclimatologues, je ne connais personne, je connais aucun climatologue qui est climato-sceptique. Alors après, il y a toutes les théories qui disent que les climatologues sont payés par le gouvernement, etc. Bon, en tout cas, moi, j'ai reçu aucun chèque. Après, il y avait toute l'école Claude Allègre, etc., au début des années 2000, qui disaient qu'ils étaient géologues et que du coup, ils avaient justement plus de recul sur le passé de la Terre pour savoir que le réchauffement actuel n'était pas du tout dû aux activités humaines. En l'occurrence, les paléoclimatologues, du coup, qui étudient les climats passés et jusqu'à des échelles de temps remontant à des milliards d'années, disent bien que le réchauffement climatique actuel est beaucoup trop brusque, beaucoup trop soudain. Et même juste pour vous dire une petite anecdote, moi j'utilise beaucoup de modèles de modèles climatiques. Et dans ces modèles climatiques, on part toujours d'une base du climat actuel, enfin je veux dire du climat actuel pour prédire, enfin je veux dire pour comparer avec les climats anciens, donc il y a des millions d'années. Et maintenant, on est obligé de prendre le climat tel qu'il était avant la période industrielle, donc on va dire autour des années 1850, donc avant que les activités humaines rejettent énormément de CO2 dans l'atmosphère, pour pas que du coup on ait des décalages et des biais introduits dans la comparaison des modèles. Donc c'est pour vous dire, enfin je veux dire, même moi en utilisant les modèles, on est obligé de prendre en compte ce changement anthropique qui est induit par l'homme pour pas qu'il y ait de. Pour pas qu'on ait des erreurs dans les modèles qu'on utilise pour étudier les climats passés. Alors, une question de Antoine Herman. Suis-je le seul à penser qu'il est déjà trop tard pour arrêter la folie humaine causant le réchauffement climatique? Après, voilà, moi ça sort un peu de mon domaine de compétence et j'aurais pas eu.
utiliser entre guillemets mon statut que j'ai aujourd'hui de parler devant vous pour influencer quoi que ce soit. En côtoyant les climatologues enfin tout le temps, tous les jours, je vois bien qu'ils sont pas, enfin c'est pas du tout les plus alarmistes. Ils ont conscience du danger, ils font attention, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'affolement, etc. Il faut garder espoir, il faut garder, voilà, il faut se dire comme qu'on pourra changer les choses. Faut pas tomber non plus dans l'extrême inverse, de là se dire que oh, c'est bon, tout va bien, on a le temps, etc. On est tranquille. Voilà, il faut avoir conscience du problème. Il faut faire ce qu'on est en mesure de faire pour changer le problème, au moins pour se dire qu'on voilà, on aura essayé. Et voilà, le climat, il va changer maintenant, c'est sûr. Après, ce qui reste à savoir, c'est à quel point il va changer et surtout à quel point nous, on pourra s'adapter à ce nouveau climat. Parce que bon, on dit oh, 1 degré de plus, etc., on pense que c'est rien, mais c'est quand même. Enfin, je veux dire, par exemple, dans les périodes justement glaciaires, interglaciaires, 1 degré, ça pouvait faire vraiment enfin, une grosse différence. Et donc, nous, déjà, bon, dans une société quand même qui est assez fragile à tous les points de vue, des changements comme ça, voilà, ça peut avoir quand même des grosses incidences. Et je pense qu'on pourra s'adapter, mais il y aura des changements, c'est sûr. Voilà. Mais après, c'est plus dans le domaine de la sociologie, etc., plus que le domaine de la paléoclimatologie, je pense. Donc voilà, je vais pas étendre mon avis plus là-dessus. Mais voilà, il faut avoir conscience des choses et agir en conséquence, je pense. Avant de terminer, pardon. Alors, Claude René Broutard demande, l'emballement des rétroactions peut-il conduire à une évolution vers le climat de Vénus? Bon, si j'ai bien compris, c'est la dernière question. Alors oui, c'est toujours parce qu'en fait, le climat de Vénus, il est caractérisé par un effet de serre très 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 important, très très important. Donc du coup, ce qui fait que malgré le fait qu'il soit plus éloigné que Mercure par rapport au Soleil, sa surface est plus chaude. Alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est voilà, c'est vraiment c'est des températures extrêmes. Voilà, donc du coup, c'est vrai que nous, l'effet de serre qu'on a sur Terre, en augmentant, on pourra tendre vers. Enfin, je veux dire, ça va jamais être comme Vénus. Mais je veux dire, parce que on n'a pas un volcanisme assez important, etc. Mais je veux dire, c'est le même processus physique qui existe. Mais de là à ce que la Terre soit recouverte de cendres et toute rouge, etc. En tout cas, c'est pas du tout dans les prévisions. Mais en tout cas, si on continue à rejeter du dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la température va se réchauffer, voilà, inéluctablement. Ça, c'est sûr. Ah ben, il y a encore une question. Richard Millière, existe-t-il des modèles prédictifs simulant l'influence volcanique sur le climat? Alors, à ma connaissance, ça n'existe pas, du fait que c'est quasiment impossible de prédire une éruption volcanique. Enfin, on peut la prédire, enfin, les vulcanologues peuvent la prédire peut-être quelques jours, quelques semaines avant. En écoutant les activités sismiques, etc. Mais en tout cas, on ne peut pas, dans les modèles qui prédisent le climat à 100 ans, 200 ans, 300 ans, etc., on ne peut pas, on peut pas du coup inclure les éruptions volcaniques là-dedans. Alors, bien aussi comprendre que souvent, aussi, c'était un argument climato-sceptique, c'était que de toute façon, l'éruption volcanique, voilà, il suffit qu'une bonne éruption, et comme pendant le petit âge glaciaire sous Louis XIV, ça va refroidir le climat de la Terre et du coup tout ira bien. Mais en fait, alors déjà, on ne peut pas du tout savoir quand est-ce qu'il va y avoir une éruption volcanique. On peut pas, il y a des gens qui voulaient à une époque déclencher des éruptions volcaniques pour du coup produire un refroidissement. Bon, c'est pas du tout raisonnable et possible. Et alors, en fait, juste vous expliquer, on dit que le
que le volcanisme peut refroidir le climat, car en fait, si l'éruption est assez puissante, on va avoir un nuage de cendres, de poussière, etc., de ce qu'on appelle des aérosols, qui va être au-dessus de l'atmosphère, et qui va faire un peu un effet parasol, et donc du coup empêcher le rayonnement solaire d'arriver sur la Terre, et donc du coup empêcher, donc du coup ça va moins chauffer la Terre. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense qu'une éruption volcanique ne serait pas du tout une solution, car déjà, étant donné la taille de l'éruption volcanique qu'il faudrait pour refroidir le climat terrestre, je veux dire, ce serait une éruption volcanique qui serait totalement dévastatrice, et en plus, il y a énormément de retombées qu'on ne pense pas forcément, mais par exemple, de dioxyde de soufre, les plus acides, enfin tout ce que ça amène, qui fait que, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que l'éruption volcanique, il induit un réchauffement des basses couches, un refroidissement des basses couches de l'atmosphère, mais les hautes couches de l'atmosphère, elles sont réchauffées justement. Et avec les années, les courants de jet, etc., et la circulation atmosphérique, au final, de toute façon, il y aura des échanges thermiques qui fait que ça n'aura rien changé au long terme sur le climat. Mais du coup, pour répondre à la question, non, on ne peut pas prendre en compte dans les modèles climatiques les éruptions volcaniques. On peut, si on veut, faire un modèle climatique en disant voilà, là on fait une éruption de ce volcan-là à telle date pour voir ce qui va se passer, mais par contre on ne peut pas faire un modèle climatique global qui prédit pour 50 ans le climat et dire bah, il y aura une éruption là, c'est pas possible. Ah oui, alors du coup, pour terminer, Vincent Boudon me demande d'expliquer en quelques mots mon sujet de thèse. Alors rapidement, mon sujet de thèse, en fait, il traite du climat passé donc aux alentours du Miocène, donc qui est une période géologique qui a commencé il y a environ 24 millions d'années et qui se termine il y a environ 4-5 millions d'années. Et en fait, pendant cette période géologique, on a ce qu'on appelle un biogénic bloom. C'est en fait, vous voyez, je parlais à un moment voilà, des petites bébêtes là, des petits du plancton, on l'a retrouvé dans les sédiments marins, à un moment où il y a environ entre 8 et 4 millions d'années, énormément de plancton. Enfin, je veux dire, il y a eu beaucoup, beaucoup de vie dans l'océan il y a entre 4 et 8 millions d'années. Et moi, le but de ma thèse, c'est de trouver pourquoi on a tout d'un coup on appelle ça une floraison biogénique, cette floraison, pourquoi on a eu autant de vie. En plus, du coup, on peut imaginer que vu qu'on a plus de plancton, ça a une répercussion sur toute la chaîne alimentaire. Du coup, on avait plus de poissons, plus de cétacés, enfin plus d'animaux, etc. Et donc, du coup, voilà, trouver les causes de ce biogénic bloom en anglais et trouver aussi ses conséquences que ça a aussi sur la Terre. Donc, pour les causes, on a aussi, alors pour le moment, les idées qu'on a, c'est le déplacement des continents. Donc, les continents, en se déplaçant par rapport à la tectonique des plaques, ils ont ouvert ou fermé des passages marins, du coup, ce qui a totalement changé la circulation océanique. Il y a le fait aussi qu'il y a eu l'apparition de plantes sur Terre qui sont différentes des plantes d'avant parce qu'elles vont utiliser le carbone de façon différente. Du coup, ça va aussi avoir une répercussion sur les océans. Il y a aussi le fait que les moussons vont se mettre en place, surtout en Asie. Enfin, voilà, il y a plein d'hypothèses. Maintenant, donc moi je vais utiliser des modèles, les mêmes modèles qu'on sert pour prédire le climat futur. Moi, je vais m'en servir pour essayer d'étudier les climats passés et du coup de trouver les causes de cette floraison de plancton dans l'océan. Voilà. Alors oui, alors Vincent me dit, et il a raison de rappeler que la conférence sera immédiatement disponible sur YouTube, donc vous pouvez la voir et revoir, et que la SAB tiendra au courant, donc vous tiendra au courant pour les prochaines conférences sur le site sab-astro.fr et le Facebook de la SAB. Voilà, et ben moi à mon tour, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir posé des questions intéressantes.
Voilà, n'hésitez pas si vous voulez peaufiner le sujet, à aller voir les vidéos que je vous ai conseillées. Du coup, ben, il faudra juste revoir la vidéo YouTube et vous pourrez taper le nom et comme ça vous l'aurez. Et merci à la SEM de m'avoir fait confiance pour vous présenter ce sujet. J'espère que même si ce n'était pas de l'astronomie pure, ça vous aura quand même intéressé. Et voilà, j'espère que je vous ai convaincu sur ce lien entre astronomie et climat. Voilà, bonne soirée à tous et à la prochaine.